4DCollab est un projet de recherche international qui regroupe les chercheurs architectes, ergonomes, informaticiens et les professionnels du bâtiment avec pour objectif de créer les outils collaboratifs en facilitant la collaboration entre les différents acteurs d'un projet de construction. Les outils mettent en œuvre les usages émergents de la 4D, composée de la maquette 3D du bâtiment et du planning de chantier. Nous réalisons beaucoup de planning, mais ceux-ci ne sont pas dynamiques. Grâce à 4DCollab, nous allons pouvoir lier directement les plannings à la maquette numérique en trois dimensions, les rendant plus vivants et plus compréhensibles pour nos interlocuteurs et nos collaborateurs. Grâce à son module interactif et à son module de prise de décision, nous pourrons, lors de nos réunions de coordination, interagir directement sur le planning et voir ses répercussions sur le modèle en trois dimensions. Alors, le projet 4DCollab s'est appuyé sur une démarche centrée utilisateur afin que les outils proposés en fait, soient vraiment adaptés à leurs besoins. Ils ont donc participé à la fois à la conception des fonctionnalités en fait, des outils lors de séances de créativité et d'idéation, et à l'évaluation en fait, des maquettes et des prototypes lors de tests utilisateurs. L'équipe a d'abord identifié les usages d'un modèle 4D BIM pour les professionnels de la construction. Pour cela, nous avons diffusé une enquête en ligne et réalisé des interviews. Il s'agit par exemple de la planification, de la logistique ou encore de la sécurité. Nous nous sommes concentrés sur la planification de chantier au travers des échanges de données entre les acteurs et dans sa dimension collaborative. La collaboration autour de la maquette 3D numérique est une avancée importante pour la majorité des secteurs. Croissance, créativité, innovation, performance, c'est vraiment un levier à forte valeur ajoutée. Immersion déploie sa solution sharing qui répond à ce besoin en fonction de la singularité des utilisateurs. Le projet 4DCollab pour nous, c'était l'occasion de se confronter à un nouveau cas d'usage, la coordination des chantiers. La question est simple, comment intégrer la variable temps dans une interface où la collaboration nécessite une compréhension collégiale d'un problème complexe ?